bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. C'est une tradition qui se perpétue pour la troisième année d'accueillir à Saint-Paul-Trois-Châteaux les formations que dirige et forme tout au long de l'année Jean-Paul Fignon. La première année, ce concert s'est déroulé au temple de l'église protestante de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns parmi vous qui étaient, mais il faisait très chaud, on était très serrés. La deuxième année, on était à la cathédrale un peu plus au large, mais comme il y avait encore plus de monde, cette année, nous voici dans cette salle magnifique où nous sommes reçus dans de splendides conditions de place, de climatisation. Alors je me demande où est-ce qu'on ira la quatrième. On va y réfléchir, on a une année pour y réfléchir. Voilà. Alors, nous entendrons au cours de la première partie de cette soirée les formations formées par Jean-Paul Finck à Saint-Paul-Trois-Châteaux, à Nyons, à Nîmes et à Montélimar. Si je me suis trompé dans l'ordre, vous corrigerez. Et puis au cours de la deuxième partie, les quatre formations chanteront ensemble un répertoire tout à fait nouveau qui a été travaillé au cours de l'année dans les ateliers de gospel. Alors le gospel est un, tout le monde le sait je pense, un chant qui est né dans cette souffrance des peuples noirs d'Amérique du Nord qui étaient réduits en esclavage. Et lorsque la dignité humaine est méprisée, eh bien, ces femmes et ces hommes ont transformé leur condition en beauté, en exprimant leur douleur au moyen de la beauté, de l'art, en créant une vraie culture. Cette culture a continué de se développer jusqu'à nos jours et continue encore de connaître des nouveaux développements. Ce soir, je voudrais remercier tout particulièrement la mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux qui a mis très généreusement à disposition cette salle. Je voudrais aussi vous dire que se tiendra Mylène. Alors Mylène, voilà, levez la main droite ou la main gauche, je ne sais pas. Voilà. Elle se tiendra, vous ne le savez pas Mylène? Non? Ah bon, voilà. Dans la salle avec un cahier pour noter toutes les personnes qui ce soir auront envie de rejoindre un des groupes qui répète donc dans les villes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Vous aurez aussi à la sortie de cette soirée un panier que vous trouverez et dans lequel vous pourrez laisser un don pour subvenir aux frais d'organisation de cette soirée et des ateliers tout au long de l'année. Voilà, d'avance, merci. Je vous souhaite une bonne soirée. No!
Seigneur, rends-moi humble et fais que je puisse faire ta volonté. Tel était le texte de ce premier chant. Et nous allons enchaîner immédiatement, encore en commun pour l'instant, avec un chant qui exprime la foi, la certitude que malgré les ennuis de ce monde, on pourra s'en tirer. Tenez votre lampe prête et allumée. La lampe, c'est souvent le symbole de la foi. Cette lampe doit être prête, ajustée. La mèche doit avoir le bon diamètre, le bon sens. Il doit y avoir de l'huile pour qu'elle puisse brûler. Cette lampe, nous allons commencer à la faire brûler ce soir pour que chacun puisse s'éclairer. Keep your lamp lit and burn. Et pour commencer, bien sûr, à tout Seigneur, tout honneur, la ville qui nous reçoit et son groupe de gospel, les Saint Paul Gospel Voices. C'est le plus jeune groupe de cet ensemble aussi, ça ne fait que 2 ans que nous répétons ensemble. Ça se passe à Saint Paul tous les 15 jours. Voilà. Venez vous renseigner à l'issue du concert si vous avez envie de venir rejoindre cette petite équipe et qui a le grand mérite de pouvoir tenir sa partie parmi tous les autres groupes ce soir. Je suis sur mon chemin vers le pays de Canaan. C'est l'un des chants qui manifestait l'attachement des esclaves noirs à la fuite qu'ils espéraient pour se libérer de leur esclavage. Et souvent ce pays de Canaan a été pris pour le pays de Canada aussi.
Voilà pourquoi c'est autant un chant d'espoir et de foi qu'un chant de lutte pour s'affranchir de l'esclavage et reconquérir sa dignité. I'm on my way, je suis parti pour le pays de Canaan.
J'ai déposé mon fardeau là-bas, au bord du fleuve, ce grand fardeau que je ne pouvais plus porter. Il va falloir que je traverse le fleuve pour échapper à la guerre. Jamais plus je ne m'occuperai de guerroyer. Je vais travailler pour la paix. Down by the Riverside, un grand classique dans la version chantée en son temps par Louis Armstrong, bien sûr. Des Dunning Singers venus tout spécialement de la capitale gardoise.
Et nous allons commencer par un chant qui célèbre cette journée mémorable. Tout le monde s'attend souvent à ce qu'on chante dans ses concerts, oh happy day, quel jour heureux. Mais il n'y a pas que des jours heureux dans notre vie. Il y a aussi des jours sensationnels comme celui d'aujourd'hui, bien sûr. Oh what a day, quelle journée nous avons eue aujourd'hui et nous aurons encore. Oh what a day. Comme un fleuve, je suis en paix. Comme un fleuve, j'ai reçu de l'amour. Comme un fleuve, j'ai reçu la grâce. Comme ce même fleuve, j'ai reçu de la joie. Like a river, I've got peace.
devrais marcher à côté de Jésus dans mon pèlerinage sur cette terre. Je voudrais marcher à ses côtés. Tel est le sujet de notre troisième chant avec les Dunning Singers. I want Jesus to walk with me. Le raisin doré, nous sommes donc les chanteurs du raisin doré, dans une région viticole bien détonnante. Et donc, grape, c'est bien le raisin, non pas la grappe, non pas le Golden Gate, comme on pourrait le penser, mais il y a une petite analogie, effectivement. Voici donc Golden Grape Singers de la région du Nyonsei, donc des proches voisins là aussi. Et nous avons débuté par un chant a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement, qui raconte l'histoire de la tempête qui a été apaisée par Jésus lorsqu'il marchait près de la mer, près du lac. Cette tempête passe maintenant. Hallelujah, la tempête est passée. The storm is passing over. The storm is passing over.
County everywhere. The storm is passing over. The storm is passing over. The storm is passing over. Hallelujah. 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 The storm is passing over. The storm is passing over. The storm is passing over. Hallelujah. The storm is passing over. Alléluia. Pendant longtemps, on a opposé la musique gospel à la musique de blues. Le blues, on appelait cela la musique du diable, devil's music, tandis que le gospel, c'était la musique de Dieu. Et on a fini par s'apercevoir que les chansons se ressemblaient dans leur structure musicale. Parfois, on ne changeait qu'un ou deux mots dans le texte pour qu'un blues devienne soudain un chant spirituel. Par exemple, à la place de baby, on se mettait à dire l'ordi, et la chose était faite. Voici un blues traditionnel qui simplement dit combien de temps faudra-t-il attendre ce train. Je l'attends toujours, je ne le vois toujours pas arriver. Ce train qui est souvent été décrit comme le train de l'évangile, the gospel train. How long? How long? How long?
terminer notre séquence avec un chant qui devrait tous vous réveiller. Wake me, shake me, réveille-moi, secoue-moi. Il faut que j'aille en dansant jusqu'à la porte dorée, to the Golden Gate. Et j'ai très peu de temps pour y arriver. C'est la course maintenant. Wake me, shake me. D'origine très très différente. Certaines sont paroissiennes de plusieurs églises différentes, à Montélimar et alentour. D'autres sont simplement des amateurs de gospel qui viennent chanter, qui chantent peut-être aussi dans d'autres chorales. Voici pourquoi ils se trouvent toujours bien ensemble, hein, tout ce groupe-là. Et nous avons choisi une série sur Heaven, le ciel. Simplement, c'est un lieu mythique dans la musique gospel. C'était le lieu qu'on imaginait après, oui, après la vie, bien sûr, mais aussi après l'esclavage, après ces tortures infligées pendant des années aux esclaves noirs. On imaginait la délivrance comme étant le ciel, cette contrée, cette terre promise. Et il suffit de prendre l'autoroute pour aller au ciel. Highway to heaven. Thank you.
Ah, le ciel là-haut. C'est un endroit magnifique. C'est un endroit où je voudrais aller. Il est plein de gloire, de grâce, de toutes ses vertus. Et c'est là-bas que je voudrais voir le vrai visage de mon Seigneur. Heaven is a wonderful place. Le ciel sera à toi. Mais il faut que ces quatre vertus, ces vertus cardinales, tu les assumes. Heaven belongs to you. Le ciel t'appartient. Heaven belongs to you. If you live right, heaven belongs to you. Oh Lord, heaven belongs
feel right. Heaven belongs to you. If you sing right. Heaven belongs to you. If you sing right. Heaven belongs to you. L'ensemble, le groupe de Montélimar. Et pour la seconde partie de cette soirée, le groupe va être rejoint par tous les autres qui sont passés tout à l'heure et qui vont nous rejoindre. On va se faire un petit peu de place, n'est-ce pas? De façon à ce que la scène puisse être respirable quand même. On ne sait pas compter, mais on pense qu'on est une bonne centaine. Vous nous direz peut-être, vous avez vu qui a eu le temps de regarder, de compter les rangs. Si nous avons respecté l'annonce que nous faisions, sans choriste sur l'affiche, on ne sait pas trop, mais je pense qu'on ne doit pas en être loin. Hein. Voilà, et pour la seconde partie, un certain nombre de chants que nous avons travaillés chacun de notre côté, dans nos villes, au cours de nos répétitions respectives, mais qui ont été travaillés en vue d'une représentation commune. Et pour la plupart de ces chants, c'est la première fois que nous les chantons ensemble ce soir. Alors séparément, ça va bien, effectivement. Ensemble, vous allez découvrir, et nous aussi. Comme il est beau de nos jours, simplement d'être en vie. Oh, how beautiful it is today to be alive.
just to be. De musique africaine. Oui, il n'y a pas qu'en Amérique du Nord que le peuple noir a été durement opprimé. Il y a un autre grand pays au monde qui a subi des violences au moins comparables. C'est en Afrique du Sud. Et là-bas aussi, l'une des formes de résistance, c'était la foi. Beaucoup de cantiques d'origine anglicane notamment ont été traduits, transformés rythmiquement, et ont donné des chants typiquement africains, à tel point qu'on ne reconnaît plus le cantique original. Voilà, je ne les connais pas non plus ces cantiques-là, mais nous allons pouvoir vous chanter quelques extraits de cette série de spirituels sud-africains. Tout d'abord, Siyahamba, dont la traduction signifie « Nous marchons dans la lumière de Dieu ». Thank you.
les deux chants suivants, nous allons les enchaîner. L'un un petit peu plus mélancolique, l'autre un peu plus rythmique. Noyana, tout d'abord, dont le texte signifie « Nous sommes tous en route pour aller au ciel ». Et là aussi, en Afrique du Sud, dans le contexte, on se demandait quel pouvait être le sens de ce rassemblement, de tous aller ensemble au ciel. En tout cas, ils vont déjà vers la démocratie. C'est déjà beaucoup. C'est une chanson du pays de Pretoria. Et puis, on enchaînera directement avec un autre spirituel qui dit simplement « Amen, louez le nom du Seigneur. Amen, Bao. Bao. » Nous allons retrouver des musiques un tout petit peu plus occidentales, un tout petit peu plus américaines, même canadiennes. Voici tout d'abord un Alléluia, dont il n'est nul besoin de donner de traduction complète. Il s'agit simplement de parler du roi David qui composait. Il était poète mais aussi musicien qui composait ses psaumes en musique avec peut-être des notes que nous ne connaissons plus aujourd'hui. En tout cas, c'est un secret. C'est devenu un mystère. L'Alléluia du roi David. Amen.
peux être riche, tu peux avoir sous la main tout ce que tu veux. Tu peux être un champion, tu peux être un chef, tu peux être un directeur, tu peux être un souteneur, tu peux être un seigneur, les hommes. Tu peux manger du caviar, ou peut-être du pain. Mais un jour, il faudra que tu choisisses qui tu vas servir. Soit le Seigneur, soit le démon. You've got to have to serve somebody. Tu devras choisir de servir quelqu'un. Somebody, somebody, respect me.
bien notre sommelier Jean-Marc. Eh oui, il s'agissait d'un joueur, un flambeur, un éthéré. Un pauvre homme qui dépensait tout l'argent du ménage dans ses tripots, dans ses maisons de jeu, où on attirait les toqueurs à la Nouvelle-Orléans pendant des décennies, et on les plumait. Et il continuait à s'adonner à ce vice. Et puis un jour, il s'est dit, ben non, il faut que j'arrête. Et je vais trouver force dans la foi pour arrêter de m'adonner au jeu. Alors il s'est jeté un plein verre d'eau dans la figure. Pour se réveiller. Il a dit, je ne reviendrai plus en arrière, j'arrête là. Et puis ce pauvre homme, il est mort, puis dans la communauté, on se demande, ben, finalement, est-ce qu'il est allé en enfer à cause de son vice? Ou est-ce qu'il est quand même allé au paradis? On ne saura jamais. On se demande bien où il est passé, ce pauvre gambler, ce pauvre flambeur, gambling man. De la musique gospel, chantée en son temps par le grand Louis Armstrong, Rock My Soul, berce mon âme dans le sein d'Abraham. Why don't you rock my soul? Oh, rock my
your eyes. Et nous voici maintenant proches de la fin de ce programme. De bonnes choses ont une fin. Simplement, nous allons chanter pour finir un chant d'unité. D'une part parce que nous sommes des groupes différents venant de villes différentes. C'est ce soir la première fois que nous chantons de façon unie. En tout cas, ces quatre groupes-là, nous avons déjà chanté deux par deux. Hein, mais pas encore par quatre, voilà. Cette partie-là n'a pas encore été jouée. Et puis l'unité dans le fait que la musique que nous pratiquons peut rassembler tous, les croyants de toute obédience, les croyants, les non-croyants avec les agnostiques, enfin, etc., vous connaissez la litanie. Et le symbole de l'unité se trouve marqué dans un extrait du psaume 133, où il est dit en traduction personnelle, comme il est bon, comme il est agréable, pour les frères. Le mot était juste. Pour les frères de vivre ensemble dans l'unité. Voilà ce simple verset et le texte de l'ensemble de notre chant.
Unity. Merci à vous tous d'être venus si nombreux. Ça nous fait plaisir. Et ça récompense le travail accompli par les choristes pendant toute la saison. Alors on va bien sûr en chanter une dernière pour la route. Il y en a qui vont loin, on va les encourager. Non sans vous préciser que pour les amateurs de gospel music, dans le hall d'entrée, vous trouverez certains CD qui ont été gravés par quelques membres, quelques groupes de cet ensemble-là. Notamment, il y en a un qui vient tout juste de sortir, il est tout frais de cette semaine, le tout dernier. Même les choristes qui ne le connaissent pas encore. Voilà, et puis le CD d'un quintet aussi, d'un quintet masculin, qui n'a pas pu se produire ce soir, on était trop nombreux, mais vous les retrouverez prochainement. Il y a d'autres concerts prévus pendant la tournée estivale,
et je pense en particulier à Saint-Paul-Trois-Châteaux, le 19 juillet prochain, dans le cadre du Temple, ce sera un tout petit peu plus petit qu'ici, mais pour les amateurs de musique spirituelle plutôt classique, un double quatuor vocal, un quatuor féminin accompagné d'un quatuor masculin, se produira dans un programme de musique qui va du médiéval jusqu'au gospel. Donc ce sera le 19 juillet au Temple de Saint-Paul. D'ici là, beaucoup d'autres concerts aussi. Dans deux jours, nous chantons avec les Golden Grape Singers à Nyons, pour ceux qui ne sont pas loin, un programme quand même différent de celui de ce soir. Dans le cadre du Temple de Nyons, c'est vendredi soir, vous aurez le choix entre la télé ou le Temple. Donc, voilà. Et puis comme je le disais tout à l'heure, nos CD sont à votre disposition dans le hall près de la sortie. Peut-être ne partez pas tout de suite, tout à l'heure, parce que vous pourrez sans doute échanger avec certains de nos choristes vos bonnes ou mauvaises impressions sur la soirée, ça nous sera très utile. En attendant, une dernière pour la route, nous sommes tous en train de naviguer pour rejoindre notre home à travers la mer. Nous volons au-dessus des vagues aussi. We are sailing.
à tous. Et bien sûr la participation remarquée dans le dernier chant de notre unique batteur préféré, Pierre Coutelier. Qui a accompagné tous les chants, même ceux qui ne connaissaient pas. Merci. À l'année prochaine, sans doute. Et on sera ravis de vous revoir aussi nombreux. Bon été à tous et bon concert partout dans la région.